T'as vu? Ah, puis ça te donne le coup de volant. Ah non, mais c'est chiant. Bon, désolé pour l'intro un peu spéciale aujourd'hui. Vous êtes bien sur une vidéo de Tesla France 89, bienvenue. Oui, voilà, c'est un bruit qui est assez ennuyeux. En fait, un système de sécurité qui est en place sur la Model 3, ou d'ailleurs sur les autres Tesla, je pense que c'est la même chose, qui est un peu un avertissement, en fait, quand on franchit une ligne, que ce soit la ligne du coup du centre de la route, ou donc sans qu'on mette le clignotant, hein, évidemment, quand vous mettez votre clignotant, que vous déboîtez, ça fait pas ça à chaque fois, ou alors la ligne de bas-côté. Bon, là, je suis sur une route de campagne, bon, qui est quand même une route, je veux dire, elle est assez bien signalisée. Mais la voiture croit sans arrêt en fait qu'on quitte la route sur le côté passager. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Voilà, ça s'est produit encore une nouvelle fois. C'est un peu pour vous montrer, hein, donc sur un trajet, là en temps réel, je veux dire, la vidéo, elle va pas durer très longtemps, mais vous allez voir le nombre de fois que ça le fait. J'ai l'impression que depuis la dernière mise à jour, en plus, ça s'est assez aggravé. Et le souci, je vais vous montrer, c'est qu'en fait, quand on va dans les réglages de l'autopilote pour pouvoir désactiver cette sécurité, qui moi, j'ai pas envie de la désactiver, parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante, effectivement, d'être prévenu quand on quitte la route. Voilà, mais du coup, c'est assez gênant, parce que finalement, elle fait pas mal de bruit. Et du coup, bah, on fait plus attention, quoi, parce qu'on est bien loin de sortir de la route, d'ailleurs. T'as vu ? Vous voyez, je fais exprès de m'interrompre quand elle le fait. Mais voilà, on est bien loin de sortir de la route, en fait, quand elle indique qu'on sort de la route, quoi. Donc là, du coup, je suis dans les réglages, j'essaye de modifier. D'ailleurs, c'est des réglages qu'on peut normalement enregistrer avec le profil lié. Mais on a remarqué que bah, quand on repart, c'est à nouveau en route. Ça ne s'est pas désactivé pour de bon. Donc j'espère qu'il y aura une mise à jour rapidement parce que c'est vraiment agaçant. Nous, on prend pas mal de petites routes et c'est vrai que du coup, bah, ça gâche un peu le plaisir de conduire, comme on dit, parce que voilà, c'est plus simple. Enfin, j'aime bien ce type de contrôles qui sont mis en place pour notre sécurité, mais là, quand ça devient ennuyeux à ce point, surtout que le bruit est vraiment strident, hein, j'ai fait exprès de vous faire une petite compilation au début de la vidéo, j'espère que ça vous aura pas trop gêné, mais c'est vrai que c'est un bruit qui est fait aussi pour attirer notre attention, et je veux dire, c'était très bien, mais voilà, c'est un peu fatigant quand même. Donc là, vous voyez, quand on le désactive, on a même un avertissement, hein, qui nous dit « attention, vous allez couper quelque chose de sympa pour la sécurité », mais bon. Voilà, moi je le coupe parce que franchement sinon c'est pas possible, en tout cas pour le trajet en cours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, cliquez bien aussi sur la petite clochette pour récupérer les nouvelles notifications quand on sort une nouvelle vidéo pour pas en louper une seule. Et puis si la vidéo vous a pas plu, mettez pas un pouce vers le bas, hein, envoyez-la à quelqu'un que vous aimez pas, comme ça il perdra lui aussi 3 minutes 40 de sa vie qu'il ne récupérera jamais. Voilà, je vous embrasse, bisous bisous, salut.